Tu sais, il me dit pourquoi je chante avec une voix comme ça. Moi, c'était ça, tu te foutais de moi. Oh, je peux pas faire avec la voix de... Par amitié. Oui, mais bien sûr, mais, non, mais ça me dérange pas. Mais pourquoi tu chantes avec une voix... une voix aiguë comme ça. J'ai dit, bah écoute, c'est moi, tu peux pas chanter normalement, il me dit. J'ai dit, bah écoute, Alors en parlant de frayeur, Johnny et les amis, pour le meilleur de Johnny Hallyday. J'ai eu beaucoup aussi... de frayeurs dans ma vie. ça je te le demandais. Tu penses, il y en a une qui est incroyable, avec des images qui sont. C'est vraiment désormais des images cultes. Souvenez-vous, regardez cette frayeur-là. Mais t'étais complètement à l'aise ou pas? Non, non. Pas, non. Ben non. Ou alors j'étais pas à l'aise, j'étais. C'est des grands moments de solitude là, malgré le monde. Hein. Parce que même s'ils sont 12 autour, ça fait peu quand même. Jimmy, regarde Jimmy dans quel état il est. Mon Dieu, c'est incroyable. Oh là là là. C'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Ça a dû être absolument incroyable, hein, cette entrée. Il y en a eu d'autres, des frayeurs, mais non, celle-là... En plus, je vous ai dit très honnêtement, pour une fois, c'est pas une idée à Camus, c'est une idée à moi. Mais moi, tu sais, je suis un amateur de boxe. Et moi, j'ai toujours été très impressionné par l'arrivée des boxeurs pour aller au ring, entouré de leur manager, bon, tu sais, tout le cinéma qu'il y a avec les peignoirs en satin, le nom dans le dos, et tous les gens qui applaudissent. Et qui vont au ring. Mais ça se passe bien. J'avais pas imaginé qu'au Parc des Princes, il y avait 55 000 personnes. Et quand j'ai commencé à arriver, la foule a commencé à se compresser et que moi, j'étais compressé au milieu. C'était pas prévu dans mon idée, moi. Et après, j'étais très mal. Et après, je me suis dit, je ne sais pas si je vais arriver à la scène. À la scène, ouais. Est-ce que t'as eu le trac à un moment? Non, j'ai pas eu le trac parce que les gens me... Même si on étouffe un peu, parce que c'est vrai qu'on est un peu compressé, les gens veulent te toucher, etc. Mais les gens sont gentils, ils te veulent pas de mal, ils t'arrachent les cheveux, mais pas par méchanceté, par gentillesse. Ils te veulent pas de mal, ils t'arrachent les touffes. Mais pour te toucher, je veux dire, c'est pas méchant. Non, mais c'est pas méchant. Mais, donc le premier jour, ça a été un peu l'effet de surprise, et puis surtout pour moi. Et puis, mais le deuxième et troisième jour, il a fallu le refaire. Et le lendemain, je me suis dit, bah attends, je vais pas refaire ça. Et maintenant, parce que quand je suis arrivé le premier jour, ils avaient tous la tête vers la scène. Donc je suis arrivé, j'étais tranquille à peu près jusque... Un tiers à peu près. Un tiers de la salle avant qu'ils me voient. Mais le deuxième jour, ils regardaient plus la scène, ils regardaient vers l'endroit où je rentrais. Donc j'étais coincé. Et il fallait que je rentre quand même. Et là, je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Et puis, tu sais, tu peux avoir tous les gardes du corps que tu veux. On en avait renforcé, au lieu d'en avoir 40, on en avait 60. Avec la foule, tout se compresse et on peut rien faire contre une foule. Alors, en parlant de frayeur, il y a aussi celle du Stade de France. Désormais, des images cultes également, c'est comme le Parc des Princes. Regardez, souvenez-vous. Pour vendredi prochain. Je vais prendre la corde quand même de l'artiste. C'est la mort de l'âme. Que nous allons annuler cette représentation de ce soir. La séance d'aujourd'hui est reportée à vendredi
prochain. C'est quand même la meilleure musique du monde. C'est ignoble, putain. Sur les écrans, là. On descend des écrans. Et rien que ça, ça me donne envie de rechanter. Oh là 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 là. Oh là là là. Non, ça, c'est... Là, c'est, là, c'est ouais. Non, mais là, ça va trop loin. Hein. Mon Dieu, c'est l'ouragan là, c'est. Qu'est-ce que tu disais, Johnny? C'est rock'n'roll? Oh, c'est rock'n'roll à mort, mais c'est. C'est toutes ces choses-là qui me donnent envie de faire ce métier. Puis ça laisse des bons souvenirs. C'est formidable, mais c'est des. Enfin, ce sont des souvenirs douloureux par rapport à. Au moment présent, quand on y était, parce que c'est malheureux d'annuler un spectacle avec autant de gens qui soient déplacés de toute la France, qui sont venus en car, qui sont venus en voiture. Mais c'est rock'n'roll quand même. Bon. Moi, un jour, si j'étais petit et qu'on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire ?», je voudrais dire « ça ». Ce que je viens de voir. Alors, je vais vous parler encore d'une autre frayeur. Il y en a une autre qui était quand même assez belle. Regarde ces images. Elles sont liées à un événement. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Regarde. Je donnerai mon âme à l'enfant que tu voulais. Je donnerai mes larmes au regard que tu avais. Je donnerai la flamme au souffle que tu portais. Je donnerai les larmes aux batailles qui nous perdaient. Je donnerai mon âme comme l'ami de ton âme, comme un homme que son amour condamne. Et qui sait qu'il n'y a plus rien à croire après l'espoir. Alors, question, à ton avis, pourquoi c'est une frayeur, ce duo? T'as souvenir ou pas? Je ne sais pas, je vois pas. Tu vois pas? Le prompteur est tombé en panne. Non. Il y a pire. Regarde bien les images, parce que les images sont édifiantes de ce duo. Regarde. Ce qui s'est passé avant. Ah! Il est arrivé en retard. Il est arrivé au moment. Il s'est perdu dans le Stade de France. Regarde, c'est incroyable. D'accord. Tu flippes pour lui. L'escalier pour descendre, il est là. Oui, il a failli pas arriver sur scène, oui. Bah, je l'aurais chanté tout seul, hein. Ce que je te dis, c'est... Voilà. The show must go on, hein. Ça aurait été dommage, parce qu'il chante bien.
ce qui est incroyable quand même, c'est qu'il est filmé. Aussi, on le suit et personne ne sait où c'est, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que personne n'a pu lui dire où c'était. Enfin... C'est ça qui est dingue, quand même. Dieu, mon Dieu. Tu peux penser à moi.